Bonjour à tous. Il y a de nombreuses constructions à travers le monde qui peuvent paraître inhabituelles, voire étranges. Et certaines d'entre elles sont le témoignage de civilisations passées. Lorsqu'on les observe avec nos yeux du 21e siècle et sans avoir de connaissances particulières, il est tout à fait normal de chercher une explication avec ce que l'on voit. Des idées de ce qui nous semble probable vont rapidement faire leur apparition dans nos esprits, et parfois ces dernières vont nous sembler plus que crédibles. On peut le constater à travers de très nombreux monuments qui déchaînent les passions et les hypothèses, par exemple les pyramides de Gizeh, Stonehenge ou plein d'autres. Parmi ces derniers, on retrouve une architecture très particulière d'Amérique du Sud. En effet, dans les ruines de ce qui fut l'Empire Inca, on peut observer des murs qui ne manquent pas de piquer la curiosité des visiteurs des sites archéologiques. Composés de pierres parfois immenses et aux formes alambiquées, il n'est pas rare de se demander comment et pourquoi ces pierres ont été faites de la sorte. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Archéofake, on va s'intéresser à l'architecture inca. Nous allons donc nous intéresser au cours de cet épisode à l'architecture inca. Il y a de nombreuses hypothèses sur internet qui tentent d'expliquer l'aspect très étrange des murs de cette civilisation. En effet, ces derniers se reconnaissent facilement par des blocs de taille et de formes incroyablement diverses, qui, malgré tout, s'emboîtent à la perfection. Une des hypothèses que l'on retrouve le plus souvent, c'est l'idée que ces pierres géométriques auraient en réalité été fondues puis moulées pour obtenir ce résultat. Soyons honnêtes, après avoir regardé ces murs, c'est une idée qu'il est tout à fait possible d'avoir. Cependant, il y a de nombreux problèmes avec cette hypothèse, comme nous allons le voir. Comme il est à présent coutume de le faire dans cette série, nous nous baserons sur des vidéos qui évoquent ces idées. Mais avant, il va falloir expliquer rapidement qui sont les Incas. Je précise que ce que je vais dire va être très simplifié et c'est uniquement pour résumer l'idée, juste pour vous donner un petit peu de contexte. Le peuple Inca, c'est une des nombreuses populations qui vivaient en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou. C'est en 1200 de notre ère qu'on a les premières traces de leur culture. Car il est bon de le préciser, c'est une civilisation sans écriture. Cela ne signifie bien entendu pas que nous n'avons aucune information à leur sujet, il y a entre autres l'archéologie et les textes laissés par les Européens qui les ont rencontrés après la découverte de l'Amérique qui sont là pour nous renseigner. C'est principalement durant le 15e siècle que les Incas vont commencer leur expansion. Ils vont petit à petit grignoter les tribus voisines jusqu'à former un véritable empire. Ils vont principalement baser leur économie sur la culture du maïs et de la pomme de terre, tandis que leur religion vénère plusieurs divinités, dont la plus importante est le dieu soleil, dont descend l'empereur qui a donc une autorité absolue sur son empire. À son apogée, l'empire va dépasser les limites actuelles du Pérou et être une très grande puissance du continent sud-américain. Néanmoins, l'empire finira par chuter au XVIe siècle suite à des querelles de succession et bien sûr à l'arrivée de Francisco Pizarro qui sera aidé dans son entreprise de s'emparer des richesses de l'empire par plusieurs alliés microscopiques, les maladies d'Europe contre lesquelles les habitants de ces régions ne pouvaient rien. À présent, revenons à notre sujet. Nous allons donc utiliser des vidéos provenant de la chaîne YouTube Planetro, qui comptabilise, à l'heure où j'écris cette vidéo, 100 000 abonnés. On y trouve de très nombreuses vidéos portant sur divers sujets en rapport avec l'histoire et l'archéologie, avec visiblement une préférence pour l'Égypte antique. Il est à noter que c'est une chaîne qui parle très régulièrement d'hypothèses qui ne font pas tout à fait l'unanimité. Dans un premier temps, et avant de nous intéresser au gros du sujet, nous allons parler d'une vidéo sortie sur la chaîne fin 2019 et qui a pour vocation de prouver que le site du Machu Picchu n'est pas d'origine inca. Avant cela, puisque ce n'est pas vraiment fait dans cette vidéo, présentons rapidement le site. Le Machu Picchu, c'est un site péruvien se trouvant à un peu plus de 2400 mètres d'altitude. Le site se trouve sur le versant est de la cordillère des Andes. Il est l'œuvre de la civilisation inca. C'est sans doute une des cités les plus impressionnantes qu'a produit ce peuple. Le site couvre plus de 30 000 hectares sur un terrain assez escarpé. Il date du 15e siècle et est constitué de 200 constructions séparées en une ville haute et une ville basse, ainsi qu'en divers quartiers. Le site a été abandonné au 16e siècle. Il a été découvert par Hiram Bingham, un historien américain, en 1911. C'est donc une découverte qui n'est pas si ancienne que ça. Il y a de très nombreuses interprétations sur la fonction du site. Fortification frontière, lieu de culte, voire les deux. La position est certes un avantage défensif, mais il y a également la présence de bâtiments probablement religieux et des habitations. Il est donc très difficile d'émettre des interprétations tranchées. Le site est très bien organisé, avec une séparation entre la zone agricole et résidentielle. On constate également que des bâtiments ont été construits en se servant du relief naturel. On peut aussi noter qu'il y a visiblement trop peu de bâtiments pour
pour que cela soit considéré comme une vraie grande ville. Mais voyons ce qui fait penser notre youtubeur que ce site incroyable n'est pas d'origine inca. Et comme bien souvent sur les sites, on a la majorité des gens qui viennent voir les vestiges, là qui pour le coup sont vraiment inca, hein, c'est ce qu'on voit à l'image. J'essaie de pas trop trembler alors que je zoome. Par contre, pour ce qui est de la partie mégalithique qui est un peu plus loin là-bas, il n'y a pas grand monde. Alors ici, on vient de passer la première porte et on voit déjà clairement que il y a deux styles. Mur inca, là on est d'accord. Et là, c'est mur moins inca. Et ici, on n'est plus sur de l'inca, on est sur du pré-inca, réutilisé par de l'inca. Il n'y a rien de dramatique ou de pas besoin de s'insurger contre quelque chose d'aussi évident, tout simplement. Alors, notre ami semble ici considérer que les pierres de grande taille, particulièrement bien taillées, sont originaires d'un peuple datant d'avant les Incas, et que ces derniers seraient arrivés plus tardivement sur le site en se servant des restes de cette civilisation pour construire des édifices avec leur style qui se caractérise par des pierres plus petites et moins bien taillées. Lorsque l'on observe les éléments montrés dans cette vidéo, c'est en effet quelque chose qui peut interloquer, car il y a bien une différence visible. Néanmoins, en effet, il n'y a rien de dramatique, car jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves réellement convaincantes de la présence d'une telle civilisation pré-inca sur le site. A ma connaissance, il n'y a aucun vestige qui pourrait attester d'une civilisation pré-inca sur le Machu Picchu. Alors, comment expliquer ces différences ? Tout d'abord, comprenez qu'un changement de style ne signifie pas forcément un changement de civilisation. Le Machu Picchu est divisé en quartiers et possède donc des édifices aux fonctions très différentes. Les blocs de grande taille et taillés de manière remarquable ont été plus coûteux à produire en temps et en énergie ainsi qu'en main-d'œuvre. Ils n'étaient donc pas utilisés partout, comme dans beaucoup de civilisations, l'architecture monumentale était plutôt réservée aux lieux prestigieux, comme par exemple pour les temples ou les centres de pouvoir. De leur côté, les habitations étaient souvent construites avec des matériaux moins coûteux, dans notre cas avec des pierres plus petites et moins bien taillées. Pourtant, même s'ils sont différents, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas contemporains. Afin d'être certain d'être bien compris, je vais me permettre une petite comparaison très anachronique, mais qui peut vous aider à visualiser. Imaginons que dans un village commence en même temps la construction d'une église et d'une maison. Les deux sont faits au même moment et à seulement une centaine de mètres d'écart. Pourtant, l'église sera plus haute, plus travaillée, plus impressionnante avec des pierres plus grandes. Tout simplement parce que les moyens mis à disposition et la fonction des deux édifices sont différents. Pourtant, c'est la même civilisation qui en est à l'origine. Il en est de même pour les périodes anciennes. Chez les Incas, un temple sera construit par un tailleur de pierre plus prestigieux avec des blocs mieux taillés et plus impressionnants. Vous me direz que je ne parle pas d'un fait intéressant. Dans la vidéo, on constate clairement qu'il y a des endroits où il y a bien une succession de blocs bien taillés et de pierres plus petites et moins bien taillées, comme s'il y avait eu une réutilisation. Cependant, rien ne le prouve. Avez-vous remarqué où se trouvaient ces mélanges ? Par exemple, ici, nous avons des gros blocs au niveau de la porte. Or, c'est précisément cette zone du mur qui doit être le plus solide, pour supporter le poids. Il n'est donc pas étonnant que ce point a été renforcé, et non pas tout le mur par souci d'économie. Quant aux autres exemples, il en est de même. C'est toujours le bas des murs qui sont faits par des gros blocs géométriques de grande taille. Tout simplement parce que quand par souci d'économie on ne peut pas ou on ne veut pas construire tout un mur en blocs de grande taille, il est plus simple et judicieux de les placer proche du sol pour soutenir le poids de l'ensemble et pour simplifier la construction. Bref, ce ne sont pas ces différences qui peuvent s'expliquer par divers facteurs qui peuvent prouver l'existence d'une civilisation pré-inca sur le Machu Picchu. Et l'auteur de la vidéo ne nous donne malheureusement pas d'autres arguments que ces faits qui sont donc très loin d'être suffisants. Passons à présent au centre du sujet. Les pierres fondues. De nombreux articles et vidéos sur internet évoquent l'idée que ces blocs aux formes originales et pourtant assemblés avec précision auraient été moulés. C'est selon beaucoup de personnes la seule solution qui pourrait expliquer ceci. La chaîne YouTube Planetro évoque également cette idée dans une de leurs vidéos. Le plus gros problème avec cette hypothèse, c'est que la fonte des pierres, nous n'en avons pas d'indice archéologique. De plus, ce n'est pas si simple que l'on peut le penser. Car il ne suffit pas de faire chauffer une pierre jusqu'à ce qu'elle devienne liquide.
Beaucoup de sites Inca sont en effet par exemple construits avec du granit ou du calcaire. Or, quand on chauffe du calcaire, on obtient de la poudre, et les roches comme le granit, quant à elles, si elles se liquifient bien, ne se retransforment pas en granit tel que l'on peut le voir sur des sites. En effet, comme l'a montré encore récemment une expérience faite sur la chaîne de la Tronche en Biais, le granit fondu devient une sorte de verre. Le granit se forme en effet par un refroidissement lent en profondeur, et ne peut donc pas juste être fondu et moulé pour obtenir ce que l'on trouve sur les sites. A partir de là, on constate que les pierres moulées ne sont absolument pas nécessaires pour expliquer l'architecture Inca. La thèse la plus probable reste donc la taille manuelle de ces blocs. Pourtant, de nombreuses personnes prétendent que c'est complètement impossible. Voyons quelques arguments qui sont régulièrement mis en avant et qui pourraient contredire donc l'hypothèse de la taille des pierres. Ce qui interpelle le plus dans les murs cyclopéens de Sacsayhuaman est la précision des assemblages que nous ne saurions reproduire à l'identique encore aujourd'hui. Les méthodes de construction, d'assemblage et de transport des blocs restent aujourd'hui inconnues. Les joints de Sacsayhuaman semblent venir de nulle part, surtout lorsque l'on confronte les outils qui ont été supposément utilisés avec le résultat obtenu. On marche véritablement sur la tête. Voyons si tout cela est vrai. En réalité, il y a des expériences et des études qui ont été faites à propos de l'architecture Inca, notamment celle de Jean-Pierre Protzen, qui a effectué des expérimentations pour tenter de retrouver les chaînes opératoires des tailleurs Inca en observant les vestiges dans les carrières, bien entendu en utilisant des outils présents à l'époque. Il a donc commencé à partir d'un bloc d'andésite de 25 sur 30 cm. Avec un marteau de grès, il va donc enlever les plus grosses protubérances du bloc. Il se concentre ensuite à travailler une face dans un processus d'écrasement de la roche. Il va découvrir qu'un angle de frappe de 15 ou 20 degrés permet de simplifier et d'accélérer la taille grâce au détachement de petits morceaux de pierre. Il se rend compte également que manipuler un marteau de 4 kg, qu'il utilise pour le travail de gros, n'est pas si fatigant, car il lui suffit de laisser entraîner par la gravité et de se servir du rebond sur la pierre pour ne pas avoir à mettre trop d'énergie. En 20 minutes de travail, et avec relativement peu d'énergie, il termine de travailler une face de la pierre. Pour une nouvelle face, il n'est pas possible de travailler immédiatement avec un gros marteau de pierre, sans quoi il risquerait d'abîmer la face précédente en détachant un morceau du coin de la pierre. Il faut donc d'abord travailler les bords avec un outil plus petit. Une fois cela fait, il peut revenir au gros marteau. Avec un marteau léger, il s'attaque au coin. Il ne prend pas plus de 90 minutes pour finir le travail du bloc. Il constate que les faces plus saillantes que les bords que l'on retrouve sur les pierres Inca ont une utilité et qu'il les a également retrouvées sur son travail. Elles protègent les coins qui sont plus fragiles durant le transfert, en plus d'avoir un côté esthétique qui se retrouve assez facilement sur beaucoup de murs Inca. On peut constater à travers cette expérience que tailler un bloc avec les outils de l'époque est parfaitement réalisable. Et même si l'expérience a été faite sur un bloc de taille moyenne, cela a été fait avec une certaine rapidité. Il a ensuite essayé de faire une jointure entre ce bloc et un autre. Après avoir dessiné sur le bloc le tracé qu'il lui faudra modifier pour placer la nouvelle pierre, c'est par martelage qu'il fait prendre au bloc la bonne forme. Après plusieurs rectifications, il y parvient, et là encore, cela montre que faire des joints aussi parfaits, avec des outils d'époque, c'est parfaitement réalisable. En ce qui concerne les murs avec des blocs aux formes emblématiques, il y a des hypothèses sur la manière dont les pierres étaient mises en place. Lorsque l'on observe ces murs, cela peut sembler être un véritable casse-tête. On peut se demander dans quel sens tout cela a été emboîté. Pour comprendre, il suffit de savoir que lorsqu'un bloc devait être ajouté au mur, il n'était pas encore adapté pour s'emboîter avec les précédents. On ne l'adaptait d'ailleurs pas lui, mais on retaillait les blocs déjà placés sur le mur pour pouvoir parfaitement poser le nouveau. Une fois que l'on sait ça, on peut s'amuser à remarquer l'ordre dans lequel les pierres ont été placées. Mais comment, dans les faits, ce placement des pierres pour former le mur, sachant que certaines pesaient plusieurs tonnes et qu'il fallait ajuster celle en place pour accueillir la suivante, était réalisé? Pour pouvoir travailler, la première étape est de pouvoir placer le bloc de pierre au-dessus du mur déjà construit. Une des possibilités aurait été d'utiliser du remblai pour faire un tas toujours plus haut que le mur et ainsi pouvoir placer la pierre. Elle devait ensuite être glissée sur un échafaudage pour être placée juste au-dessus de l'édifice, suite à quoi elle était tournée dans le bon sens et on se servait de poutres qui, grâce à des creux ou des protubérances, maintenaient le bloc au-dessus de l'assise. Cette méthode permet de simplifier la future mise en place tout en maintenant la pierre immobile le temps que le haut des blocs précédents du mur soit adapté.
Il est probable que le système était un peu plus élaboré que ce que présente ce schéma, mais cela permet de se faire une idée. On retrouve les protubérances même sur les petites pierres, car il fallait les placer en hauteur de manière immobile également, pour pouvoir tailler les précédentes. Suite à cette étape, on commence la taille des pierres du mur en fonction du nouveau bloc à poser. Cette étape nécessite une certaine précision pour que la taille se fasse correctement. On utilisait probablement un outil particulier. Voici un exemple. Évidemment, on n'en a pas retrouvé puisqu'il s'agit probablement d'un outil fait en matériaux périssables tels que le bois, néanmoins des fils à plomb ont été retrouvés sur certains sites. Cet outil permet, comme présenté sur le schéma, d'imiter la courbe du bloc à placer sur l'assise. On place une extrémité sur la courbe du bloc et l'autre sur le haut du mur en gardant l'inclinaison du fil à plomb. On a donc une imitation parfaite de la courbe permettant au tailleur de travailler avec précision. Pour finir, il suffit de faire descendre la pierre. Une des possibilités aurait été de remplir le vide entre la pierre et le mur par des éléments de bois et de les retirer petit à petit pour faire descendre le bloc. Voilà donc une des hypothèses parmi les plus probables, et cela montre qu'avec de l'ingéniosité et une main-d'œuvre nombreuse, c'était quelque chose de tout à fait réalisable. A l'instar de ce que l'on peut constater sur le dallage est de la pyramide de Khéops, avec ce qui semble être des traces de coupe faites avec autre chose que des outils de cuivre, peut-être des machines, ou en tout cas des outillages guidés par autre chose que la main de l'homme, on retrouve quelque chose d'identique à Sacsayhuaman, avec des traces de coupe relativement droites que l'on ne saurait attribuer à des outils primitifs. C'est un argument et des images que l'on voit souvent sur internet pour souligner le côté bizarre du travail de la pierre. Cependant, tout comme en Égypte où des marques similaires ont été trouvées, c'est parfaitement faisable avec des outils de l'époque. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, dont vous trouverez le lien en description, c'est tout à fait possible. Ici, ils vont couper du granit avec des outils d'époque. Il suffit d'un abrasif, comme du sable mélangé à de l'eau par exemple, et d'une scie en cuivre avec un petit peu d'huile de coude. Comme vous pouvez le voir, le résultat montre sans aucun doute que c'est réalisable. À présent, parlons d'un autre problème qui pousse souvent les gens à se poser beaucoup de questions. Le transport des blocs. En effet, déplacer des blocs de plusieurs tonnes, ça peut paraître compliqué. Il y a encore des questionnements en cours sur la manière exacte dont les pierres étaient tractées jusqu'au lieu de construction. Mais nous avons des éléments de réponse. On sait que c'était des hommes en très grand nombre qui tractaient les pierres sur des rampes, parfois en utilisant des rondins sous la pierre ou en rendant le sol plus glissant à l'aide de boue. Certains chroniqueurs espagnols ont relaté ces méthodes, comme par exemple Garcilaso de la Vega qui décrit un accident ayant eu lieu lors du tractage d'un bloc. Lorsque l'on évoque le travail de la pierre dans les périodes anciennes, encore plus souvent lorsqu'on parle de monuments impressionnants, on se pose souvent des questions sur la possibilité de déplacer ces pierres immenses. Parfois c'est de la simple curiosité, mais dans certains cas, c'est un argument utilisé pour avancer des idées plus originales. Lorsque quelqu'un souligne le fait que si, en effet, un tel transport a dû monopoliser beaucoup de personnes et de moyens, mais que c'est tout à fait réalisable avec les techniques de l'époque, il rencontre parfois une certaine résistance. On lui dira que c'est impossible, que cela n'a jamais été fait et que même aujourd'hui, avec nos moyens modernes, cela serait très difficile. Bref, certaines personnes diront qu'elles ne croient pas que cela soit possible. Elles ont tout à fait le droit de le penser, mais rappelons-nous que l'incrédulité, ce n'est pas un argument. Je vous propose donc de parler d'un exemple plus proche de nous. En effet, en 1770, sans intervention de la mécanisation ou de moteur, a été déplacée une pierre de plusieurs tonnes. Et quand je dis plusieurs tonnes, ça veut dire 1500 tonnes. C'est absolument énorme, et pourtant cela a été fait. C'est en effet durant le 18e siècle que pour placer une statue de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg, on se met à chercher un piédestal. On va alors se tourner vers un rocher de 14 mètres de long pour 9 mètres de large et 7 mètres de haut. Le tout pour un poids de 1500 tonnes environ. Pour ne pas aider, cette pierre se trouve dans un marécage à 6 km. Il a donc fallu beaucoup de méthodes pour parvenir à la ramener, et je vais donc vous expliquer comment cela a été fait. Pour dégager la pierre du sol, il a été nécessaire de creuser tout autour de l'objet sur 5 mètres de profondeur. Il a ensuite fallu créer une rampe de 200 mètres de long pour pouvoir faire sortir la pierre du trou où elle se trouvait. Par la suite, pour tourner le rocher dans le bon sens, on a construit des pyramides triangulaires en bois renforcées de quelques éléments métalliques. Dans ces pyramides se trouvaient des treuils qui agissaient sur de grands leviers composés de trois mâts de bois réunis par des cordes. 12 de ces pyramides ont été alignées et chacune était manipulée par trois hommes. Pour accueillir la pierre titanesque, une plateforme en poutre entrecroisée avec plusieurs épaisseurs a été faite.
Pour aider les leviers que je viens de décrire, de l'autre côté de la pierre se trouvaient 4 cabestans reliés au rocher par des cordes. Chacun d'entre eux, pour tirer la pierre, devait avoir 32 hommes. Une fois le rocher tourné, il a fallu le transporter. Pour le déplacer, l'idée a été de placer la pierre sur de nombreuses sphères métalliques pour que le poids soit bien réparti. Les sphères, qui étaient des sortes de billes donc, devaient être placées dans des rainures pour avancer. La pierre va donc être placée sur un châssis permettant d'avoir des rails supérieurs nécessaires au roulement des sphères. En dessous vont être placés les rails inférieurs pour guider le déplacement de la pierre. Tous les 100 mètres, on plaçait des cabestans reliés à des poulies pour continuer à tirer la pierre. C'est ainsi, au rythme de 150 mètres par jour, que la pierre fut déplacée. Pour finir, une partie du transport fut navale, mais nous ne parlerons pas de cette partie ici. Le lien est en description si ça vous intéresse d'en savoir plus. En tout cas, comme vous pouvez le voir, déplacer une pierre de 1500 tonnes est possible, juste avec de l'ingéniosité et de la main-d'œuvre. Chose dont disposaient bien souvent les peuples des périodes anciennes pour déplacer des rochers bien moins lourds. Étant donné que c'est une question qui revient très souvent dans les commentaires YouTube, vous trouverez dans la description un lien menant à une vidéo non répertoriée reprenant juste ce passage pour ainsi pouvoir plus facilement transmettre cet exemple méconnu à ceux qui se posent des questions à ce sujet. Il reste néanmoins quelques détails qui intriguent notre YouTubeur, donc voyons cela. Aujourd'hui, nous allons démontrer par l'image, par les constatations in situ et par la logique que quoi que l'on dise ou pense sur les excroissances, ces petites formes arrondies présentes sur les constructions au Pérou, les hypothèses avancées par les archéologues ne se vérifient pas sur le terrain. Ces excroissances, dit-on, auraient été des soutiens pour que, lors de l'assemblage et la retaille des blocs, l'on puisse y caler des morceaux de bois afin d'alléger le poids du bloc travaillé. Pourquoi pas ? Mais on se demandera dans un premier temps pourquoi tous les blocs n'en possèdent pas. Première incohérence. Bon, voyons tout ça. Déjà, j'aimerais rappeler que lorsque l'on dit que le travail des archéologues ne correspond pas avec ce qu'il y a sur le terrain, c'est un peu problématique selon moi. Certes, comme dans toutes les disciplines scientifiques, il y a une partie du travail qui se fait de manière théorique, mais s'il y a bien un métier qui impose de souvent faire des études sur le terrain, c'est bien celui de l'archéologue. Il est donc difficile de dire que leur travail ne correspond pas du tout au terrain. Revenons sur ces excroissances. En effet, elles ont sans doute servi pour le déplacement des blocs en permettant de les harnacher plus facilement, mais également, comme nous l'avons vu, de maintenir les blocs au-dessus de l'assise du mur pour adapter ce mur au nouveau bloc. Le youtubeur explique ici qu'on ne le retrouve pas vraiment sur tous les blocs. C'est effectivement le cas. Seulement, cela ne prouve rien, car ce sont des éléments qui peuvent parfaitement être supprimés pour des raisons esthétiques. Certaines étant restées en place, il est également possible que certaines aient été brisées accidentellement au cours du temps. Bref, le fait que certaines pierres n'ont plus ces éléments, qu'il est facile de retirer, n'est pas suffisant pour invalider complètement l'hypothèse avancée par la plupart des chercheurs. Puis, dans un tout petit instant, vous verrez que cette idée, aussi séduisante puisse-t-elle être, n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Voici les images en question. Des blocs placés à moins de 50 cm du sol, présentant des tétons, présentant des excroissances. Si ces derniers servaient effectivement à caler des bouts de bois, alors aucun besoin de façonner quelconque excroissance pour des blocs si proches du sol que leur manipulation était suffisamment aisée. D'ailleurs, cette même manipulation aurait été fortement polluée en tentant de placer des renforts en bois si proches du sol. Donc non, ces tétons ne servaient pas à ça. N'en déplaise à tous ceux qui brandissent fièrement cette explication sur internet lorsqu'ils parlent d'un sujet que l'on ne comprend finalement pleinement qu'en étant allé sur place. Alors, comme nous l'avons dit juste avant, c'était également des éléments utiles pour le transport. Or, même un bloc proche du sol doit d'abord être amené sur le site de construction, donc ces protubérances sont nécessaires. De plus, même s'il se trouve sur le bas du mur, il est tout de même plus simple de maintenir la pierre parfaitement immobile à l'aide de poutres pour permettre au tailleur de travailler, et donc il a tout de même besoin de ces protubérances. Donc cet argument n'est pas suffisant non plus. Je ne dis pas que dans le futur, les hypothèses à propos de l'utilité de ces excroissances n'évolueront pas, néanmoins, ces arguments à eux seuls ne peuvent pas invalider tous les travaux que nous avons vus. L'architecture Inca est particulièrement impressionnante. Il est tout à fait normal de se poser des questions lorsque l'on observe ces édifices. Néanmoins, il est toujours bon de s'intéresser aux travaux des archéologues et spécialistes sur le sujet si l'on veut s'y pencher sérieusement. Il n'est pas interdit d'émettre ses propres hypothèses et avis, bien entendu,
mais il est toujours bon de se renseigner sur les articles scientifiques qui ont été émis sur le sujet. Comme nous l'avons vu, si l'architecture de cette population est impressionnante, on la doit à des travailleurs de la pierre qui avaient mis au point des méthodes particulièrement ingénieuses et efficaces. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je dois remercier Alexis Sédou qui m'a énormément aidé pour la réalisation de cette vidéo, notamment au niveau des sources. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions également. Vous trouverez bien entendu toutes les sources en description comme toujours, ainsi que le lien du serveur Discord si vous voulez venir pour discuter. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite comme d'habitude à creuser la question. Se cache tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, et tourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur un os. Un tumulus ressemble juste à une bosse, et une tombe à simplement une fosse. Il n'est pas facile de pouvoir distinguer, croyez-moi, c'est tout un métier. Indiana Jones, ce n'est pas un archéologue.